Alors, HEC Montréal, donc, depuis un certain temps, s'est lancé dans une dynamique, dans une démarche de campus durable. Cette démarche-là va toucher donc l'enseignement, la recherche, mais aussi le milieu de vie. Et qui dit milieu de vie, dit rapidement gestion des matières résiduelles. Alors aujourd'hui, on est en train de faire un exercice donc pour améliorer notre gestion des matières résiduelles. Cet exercice-là, on appelle ça la caractérisation de nos déchets. Ça va nous permettre, entre autres, de savoir si on jette des choses qu'on devrait recycler. Puis, dans le fond, quel genre de déchets constitue un de nos gros problèmes à affronter dans l'avenir. Alors, la démarche ici, elle est parrainée par le Fonds Leadership, donc, qui a financé ce projet-là. Et c'est Philippe Lantier qui en est le responsable. Merci, Paul. Donc, un peu comme Paul a mentionné, le projet de caractérisation sert vraiment à en savoir plus sur qu'est-ce qui se retrouve dans nos vidanges, en fait. Au niveau de la gestion des matières résiduelles, bien, un peu comme toute chose, on ne gère pas ce qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est pour ça que nous, on ouvre les poubelles pour, en fait, en savoir plus sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Comme vous pouvez voir dans ma main, on a beaucoup de gobelets de café qui, en fait, sont faits de papier ciré et rembourrés de sirop mousse. En fin de compte, ça se retrouve dans les déchets ultimes. Donc, ce n'est pas recyclable. Et derrière nous, finalement, on a plusieurs bacs dans lesquels on divise toutes les matières. En fait, on a des bacs pour tous les plastiques, 1 à 7. Et le métal, le papier carton, le verre, ainsi que les matières compostables. Donc, on fait un tri ici sur l'air derrière nous. Ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on mesure toutes ces choses-là. On les pèse, les bacs, pour ensuite avoir des données spécifiques. Avec ces données spécifiques-là, on va être en mesure de savoir qu'est-ce qu'on doit travailler pour améliorer notre gestion des matières résiduelles ici à HEC. Donc, juste vous expliquer un peu la méthodologie. Présentement, on est en train de procéder à la deuxième phase de l'étude de caractérisation, ce qui veut dire qu'on regarde les étages 1 et 2. Donc, l'étage 1, c'est l'étage des étudiants, les salles de cours. L'étage 2, c'est l'étage de la bibliothèque. Mais on a déjà fait une phase au préalable, donc il y a une couple de semaines. Et dans cette phase-là, on a trié les déchets des étages 3 et 4. Et dans le tableau qu'on vous montre, vous pouvez voir quelques données, justement, issues de cette première caractérisation-là. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a beaucoup de déchets ultimes, la partie rouge, et il y a aussi beaucoup de matières comme le plastique 6. Il n'y a pas beaucoup d'autres types de plastique. Et on a trouvé beaucoup de gobelets. Dans la première phase de caractérisation, on a retrouvé 193 gobelets. Et puis, ça, c'est représentatif pour une journée. Donc, aujourd'hui, on est encore en train de trier d'autres déchets et on va d'ici peu avoir les données sous forme de tableau, comme vous avez vu, très bientôt.